Eh bien, bonjour à tous, ici LT4M et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un bot musique qui m'a particulièrement interpellé et qui m'a bien intéressé. En effet, avec Rhythm, il est possible d'écouter de la musique comme on en a envie, pardon, provenant de YouTube. Avec, eh bien, le bot 24/7, on peut écouter, bien sûr, de la musique également comme on le souhaite. Mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner en 24 heures. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, je me suis intéressé à un petit bot qui s'appelle Tony. Ça fait maintenant un petit quart qu'il est dans le salon et c'est toujours pas déconnecté. Du coup, eh bien, je pense que là, j'ai enfin trouvé un bot qui nous permet de faire un salon radio, tout simplement. Alors, j'étais en train de faire le montage et je me suis dit qu'il était important de faire un petit cut, tout simplement, pour vous montrer, eh bien, que le bot fonctionne encore. J'ai commencé, en fait, à tourner la vidéo vers 15h38. 15h38, c'est au moment où j'y étais, donc on va dire 15h35. Là, il est 20h36, donc sur Premiere Pro, juste pour vous montrer que le bot est encore connecté dans le salon vocal, donc 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, je pense qu'effectivement, le bot est capable de tenir en 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, ça fait quand même 5h qu'il est dans le salon. La plupart des bots, quand vous êtes inactif, ils vont se déconnecter automatiquement, celui-ci reste. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'effectivement, il fonctionnait correctement. Et on va aller faire un tour dans le salon, et bien pour voir si le stream fonctionne encore. Parce que si le bot peut être connecté, mais si le stream a bugué, ça sert à rien. Donc on va faire un petit tour dans le salon. Et voilà, vous avez pu voir que le bot fonctionnait encore parfaitement, que la musique fonctionnait encore parfaitement. Allez, on enchaîne avec la suite de la vidéo et on reprend là où on en était. On pourrait bien sûr le renommer, etc. Bref, donc, avant de vous parler de ce bot, je vais vous inviter bien sûr à rejoindre mon serveur Discord. Pourquoi rejoindre mon serveur Discord? Eh bien pour les raisons suivantes, parce que tout simplement, en fait, comme vous le voyez, eh bien tous les mois maintenant, j'organise un concours qui vous permet de gagner, eh bien, un mois de Discord Nitro. Et ça vous permettra bien évidemment, en plus de cela, eh bien de pouvoir discuter avec moi. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications et laisser un like en fin de vidéo, et je dis bien en fin de vidéo si cette vidéo vous a plu. Bon allez, c'est parti, on va s'attaquer à ce bot Tony. Donc là, il est déjà connecté, mais pour cela, et eh bien on va se rendre sur le site. Voici donc les informations pour ce site. Donc vous pouvez voir que la police elle est un petit peu, et eh bien pixelisée, on dirait un petit peu une Minecraft, des choses comme ça, mais je vous rassure, et eh bien le bot fonctionne. Il y a même Spotify, des fichiers, donc des offiteurs, etc., des CFX. Alors j'ai essayé de mettre Fun Radio par exemple, mais Fun Radio n'est pas supporté, mais ça m'étonne pas, c'était juste pour faire un test, vous voyez que c'est là. Donc du coup, on va regarder un petit peu les commandes rapidement. Elles sont très très simples. Bon, globalement, il y a plusieurs sites, donc voilà, Spotify, etc., YouTube, voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et donc, je vais vous montrer les commandes très rapidement, mais d'abord, il va bien sûr falloir l'inviter à votre serveur. Donc, pour cela, vous allez faire inviter. Donc, moi, il est déjà invité. Il faut bien sûr être administrateur. On va faire continuer. Moi, j'avais enlevé ceci et ceci, tout simplement, voilà, ça, c'est à vous de voir. Là, autoriser. Je ne suis pas un robot comme tout le temps sur Discord. Et voilà. Donc ensuite, on n'a pas besoin d'aller voir les commandes. Je vais vous le montrer très facilement. Donc là, j'ai le bot qui est connecté. Donc on va se rendre, du coup, on va aller ici. On va le faire se déconnecter. Puis on va faire ça. Baisser. Puis on va le faire se déconnecter. Et moi aussi. On va faire comme s'il n'y avait rien du tout. Voilà. Donc là, justement, dans choix des musiques, j'ai créé un salon choix des musiques. Pourquoi il s'est reconnecté, ce con? Ah oui, à cause de la musique. Bon, bref, j'ai créé un salon choix des musiques. Et donc là, on va taper ceci. Donc pourcentage. Play. NCS. Voilà. Et là, il va aller dans le salon, mettre NCS 24h. On va aller dans le salon. Et vous voyez que justement, il est en train de nous mettre de la musique tranquillement. Voilà. Vous pouvez mettre vraiment le style de musique que vous avez envie. Vous gérez le volume de l'utilisateur ici. Comme vous le voulez. Voilà. Hop. Bien sûr, là, je l'ai mis à 0. Voilà, vraiment comme vous avez envie, et ça vous permet d'avoir une station, et bien voilà, d'avoir en fait un bot musique, donc une radio, et bien sur votre serveur Discord. Si vous avez plus envie d'être dedans, il n'y a pas de souci, vous faites déconnecter. Donc moi, je me déconnecte et le bot est encore dedans en train de tourner. Voilà, et si bien sûr vous voulez que ça fasse propre, vous faites toujours ceci et ensuite. Et donc ça va effacer les messages, tout simplement. Voilà, et bien sûr, on va renommer le bot, on va l'appeler, donc changer le pseudo, on va l'appeler. Tout simplement, et on peut, voilà, ça c'est très bien, ça nous va très bien, voilà, au niveau du nom, c'est très bien, un bot 24h sur, 24, 7 jours sur 7, un bot musique qui est créé, et du coup, on a notre bot musique. Je vous mettrai bien sûr toutes les commandes dans la description, n'hésitez pas à faire aussi des salons textuels avec les commandes des bots, voilà, bon, ça ferait pas mal de salons, mais n'hésitez pas à le faire, ou alors de le mettre éventuellement dans votre staff, comme ça, si on vous les redemande, vous pouvez les communiquer, mais généralement, les commandes des bots sont assez simples, et surtout, il nous faut les basiques, donc en général, c'est-à-dire lancer une musique, et nettoyer le serveur, de toute façon, ce que ça fasse propre, en fait, simplement, donc, comme...
comme rythme par exemple. Rythme, les commandes c'est point d'interrogation play, et pour que ça nettoie donc c'est point d'interrogation clean, pour que ça quitte c'est leave, etc. Et le mode, ce bot c'est le même fonctionnement. Voilà, donc c'était un court tutoriel, j'espère que ce bot va pouvoir vous aider eh bien, pour faire un salon radio dans votre serveur Discord. C'était le T4M et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.